Bobby, garde à vous. C'est bien Bobby. Allez, on est reparti. Eh ben pour 40 balles ça vaut le coup. Bobby a le droit à son propre lit. Ah, connais un qui a bien dormi. Oh la tuerie. Bah oui, il faut quand même que je vous explique comment je suis arrivé là, dans cet hôtel de fou. Je fais mes réservations avec Booking. Tout le monde connaît Booking. Ouais, y'a pas de place pour le produit, hein, évidemment. Et des fois, avec les offres de dernière minute, on a des trucs comme ça. Là, j'ai payé 37 euros. Voilà, et c'est une chambre qui en vaut normalement 4 euros. Donc on est pas mal. J'ai fait quand même pas mal d'hôtels depuis que je suis parti, ça fait plus d'un mois et demi maintenant. Et je connais qu'une seule méthode pour vérifier si on a un bon lit pour dormir ce soir. C'est validé. Au sommet du mont Olympe. Ah oui, vous n'êtes pas dans le bon sens. Voilà. C'est déjà un peu plus sympa. Bon, faut que je vous parle d'un autre problème que j'ai du fait de voyager comme je le fais, c'est que je voyage sans voiture. Et le problème, c'est que là, je suis à Charleville, donc il y a plein de choses à voir, mais tout est en dehors de la ville. À peu près 4-5 km à chaque fois. Du coup, c'est très compliqué d'y aller. Il n'y a pas forcément de bus. Là, j'essaie quand même de faire un petit peu le tour de la ville pour voir ce qu'il y a à voir. Il y a des trucs sympas aussi que je loupe, malheureusement, même en étant dans la ville. Là, par exemple, j'ai loupé mon chemin. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un chemin? On va tester. Bon, si je me casse la gueule, ça sera en direct. Donc ça fait un peu chier quand même d'être dans une si belle ville et de pas pouvoir aller voir les trucs qu'il y a autour. Il y a également une forteresse aussi, qui a l'air assez intéressant, mais c'est pareil, c'est loin. Donc ça me pose vraiment un problème, enfin surtout là en fait. Bon, après il fait beau, donc on peut se balader, ça c'est cool. Ça fait quand même plaisir de se balader dans la ville, c'est assez joli. Bon après c'est un centre-ville, hein, donc c'est un peu partout pareil, hein. C'est comme à Angers, à Nantes, à Brest, au Havre. Il y a les mêmes magasins, il y a les mêmes trucs, les mêmes rues piétonnes. Ça se ressemble un peu, mais bon. Bon, on va quand même aller voir ce que nous réserve Charleville-Mézières. Regardez-moi ce temps de fou. Alors là, idéal pour aller marcher. Allez, c'est parti. Oui, quoi, mes lunettes? Ah oui, faut que je vous parle de ça. Voilà ce qui s'est passé ce matin. Bah, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Bah, il s'est passé ça, mais là-dessus. Ah là, vous êtes en train sûrement de vous demander, mais dis donc, Francis, tu vas où comme ça? Eh bien, je vais en direction de Verdun. Du coup, j'ai demandé à Bobby s'il était chaud pour qu'on aille jusqu'à Verdun à pied. Il m'a dit qu'il était carrément chaud. Hein, Bobby? Ouais. Et en suivant un petit sentier qui longe toute la Meuse pour aller jusqu'à Verdun, j'en ai pour 28 heures à pied.
pense qu'il y a peut-être un endroit où on fera un peu de stop. Et donc ce soir, bon, on va dormir au bord de la Meuse. On va essayer de se trouver un petit coin sympa où se poser. Comme à Honfleur, on va essayer de se faire un petit bivouac propre. Bon allez, direction Verdun. C'est parti. Oh bah ça se complique. Merde. Je viens de faire 2 km dans une direction, j'ai croisé un papy qui m'a dit bonjour, mais avec le sourire, avec un grand sourire. Je me suis dit bon bah cool. En fait je viens de comprendre pourquoi. La direction où j'allais, ça mène nulle part. Je suis bloqué. La Meuse elle est là. Et il y a un petit affluent là. Je me bloque le passage. Bon bah, demi-tour. Monsieur. Bonjour. Je me balade et j'ai plus d'eau. Est-ce qu'il y a moyen de la remplir? Oh oui. Ça vous dérange pas? Non. Merci beaucoup. Parfait. Merci. Voilà. Super. Il y a beaucoup de chats chez vous, dis donc. Oui. Et Minou. Oh, ils sont pas malheureux là. Non, pas moi aussi. Ouais. Bon, ouais. Ouais. C'est à vous les vaches derrière? Oui. Ouais. D'accord. Ouais. Okay. Ah oui. Je passe à côté, je me suis dit, tiens. Ouais. Vous venez de où? D'Angers. Oh la vache. À côté de Nantes. ouais. Je vais à Sedan là. Ouais, bah voilà. Ouais. J'ai regardé le GPS, il m'a dit bah c'est là-bas. Ah ouais. Parfait. Nickel. Ouais. Bah, je vous remercie en tout cas. Bah, de rien, bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour messieurs. Pour aller à Sedan. C'est par là? Ah oui. C'est par là? On va parfait. Nickel. La station, c'est tout droit. Ouais. Vous arriverez à. La Villeneuve. Et il va encore tout droit. Et après, on prend les directions de Tonchery. Bah ouais, fais ça comme ça. Ok, ça marche. Ok, parfait, merci. Bon bah nickel. Bonne journée. C'est d'une beauté, putain. Ouais, bon. Je sais pas où est le vent, alors ça va être compliqué, mais... ce paysage de folie qu'il y a devant mes yeux, là, c'est dingue. Il fait hyper bon, il y a un petit vent, du coup il fait pas trop chaud, c'est agréable pour marcher, c'est génial. Il y a juste un paysage de dingue quoi. Voilà, ça c'est les Ardennes. Waouh, c'est super joli, c'est hyper agréable. Là je suis à Moulins-Saint-Hubert et la route pour Verdun elle est par là. Donc on m'a dit qu'il y avait un très beau village qui s'appelle Stenay sur la route. Donc je vais y aller aujourd'hui. Il est presque 17h. Je vais aller chercher un truc à manger et puis on va se poser quelque part à Stenay. Voilà. Il ne reste plus qu'à faire du stop direction Stenay. Bon ça devrait le faire. Il y a du monde. Ou pas. Donc là, l'aviation. Ouais, j'ai vu. Ouais. Hein, ça va être compliqué là. Vous voyez qu'il vient se passer, j'avais vu aller fort là-bas. C'est tout. Ah, chérie. Allez, discute ton père. Il y a, donc, on a le bowling, le karting, le terrain d'aviation. Ouais. Et là en face, on a un terrain de camping. D'accord. Le sol pour les maisons, l'intérieur des maisons. Ouais. Et l'ouvrier, en outre, nous, on avait 5 mois d'intéressement, vous imaginez. 5 mois. C'était un pompe. Hein. Ah oui, c'est génial. Ah, on fait plus ça maintenant. Putain, c'est chaud. Me v'là à Mouzet. Je suis à 40 km de Verdun. Donc je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Il est 17h30. Là-bas, il y a la Meuse. Donc on m'a dit qu'il y avait un petit canal sympa. Je suis la Meuse, justement. Donc je vais essayer d'aller me balader là-bas et puis essayer de trouver un petit coin sympa pour planter la tente. Et puis bah voilà, on va se faire un petit feu, on va installer la tente. On va être bien. Bon, Bobby, on est parti. Bobby est pas très motivé. Bon allez, on continue. C'est de pire en pire mon affaire. Plus
ça va, plus je m'en fous. Je suis en train de me faire défoncer les jambes par les orties. Et que ça. À perte de vue, je sais pas où je vais. Ça c'est bien ça. Donc il va être temps que je trouve un endroit où me poser, il est 18h là. Ouais, bon, on continue encore une petite demi-heure et puis on va voir. Ça y est, j'ai trouvé où on allait dormir. C'est là-bas. Le problème c'est que le seul chemin pour y aller, il est là. Ah, ça se mérite un endroit comme ça. Bon, on va essayer de pas tomber dans l'eau. Voilà, j'ai trouvé, regardez, c'est là. Alors, on va être bien là. Bon allez, on s'installe. Ah, c'est froid. Allez, pour le geste. Ouah, c'est froid. Eh ben, elle est pas chaude. Elle est pas chaude. Après une bonne journée de marche, j'avoue que ça fait du bien de mettre les pieds dans l'eau. Ça, c'est un bon moment. Ça, c'est un vrai bon moment. Ça, je vous le dis, hein. Quel kiff, mais quel... Comment c'est agréable d'être là en plein milieu de nulle part. Ah, ce qui me fait un peu chier, c'est d'être tout seul, mais bon. Vous êtes un peu avec moi. Puis il y a Bobby. Mais Bobby va pas se baigner. Et ce soir, thé à la menthe naturelle. Ah, pas mal. Bon bah nickel, allez, bonne nuit, à demain, topette. But I was getting closer with every shot, closer to losing control. You didn't like me at first, but then we got. Ah oui, j'avais oublié. Voilà. Quelle nuit, vous avez vu? Oh là 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 là, c'était magique. Franchement, toutes ces étoiles là au-dessus, là, c'était vraiment un instant magnifique. Je suis privilégié, hein? Ouais, je le sais. Ouais, j'ai eu du bol là-dessus. Ça, c'est cool. Franchement, nuit magnifique. Il fait déjà chaud. Bon, allez, direction. Verdun. I can make it worth your easy possible. Non mais ce qu'il y a de bien c'est qu'il fait pas chaud. Et salut les amis. Aujourd'hui on va visiter le mémorial de Verdun, qui est situé à peu près 4 km de Verdun. Et donc pour y aller il faut passer par les petits chemins. Et forcément c'est dans la colline. Et oui, évidemment. Donc bah faut grimper, pas le choix. Ah, une route, on va pouvoir faire du stop. Parfait. Quoi? Je fais du stop? C'est long, hein? Ouais. Je sais. Je sais bien.
Bon, le stop ici c'est une catastrophe. Il n'y a pas une voiture depuis 10 minutes. T'es sûr qu'il y a du monde à ce mémorial? Il n'y a pas un pélo quoi. C'est fou. C'est fou. Bah enfin c'est fou. Enfin c'est fou. Enfin c'est fou. C'est fou. Attends, il y a écrit quoi là-bas? Réservoir d'eau. Ouais, j'avoue que je serais preneur un petit réservoir d'eau parce que là, je suis à vide. Oui, je sais, j'ai une toute petite bouteille, mais sinon ça fait lourd. C'est un réservoir. Ah, c'est ça le réservoir d'eau. Regardez ça. On peut plus réserver grand chose là. Il y a un petit chemin qui fait tout le tour du site. On va suivre le sentier. Allez, c'est parti! Descends petit à petit de ma montagne, enfin de ma colline plutôt. En tout cas c'était bien sympa, enfin sympa, c'est pas vraiment le mot mais c'était assez intéressant, c'était très intéressant. Si vous passez dans le coin, vraiment allez voir tout ça, ça vaut le coup. Voilà, en une après-midi c'est faisable, vraiment ça vaut le coup. Allez, on retourne à Verdun. Petite histoire d'autostoppeur. Je suis dans la campagne à côté de Metz. Il y a deux gars, Franck et Julien, qui m'ont pris tout à l'heure en stop. Hyper cool, hyper gentil. Et qui m'ont déposé à un village à côté de chez eux. Le problème, c'est que ça fait 20 minutes que je fais du stop pour aller à Metz et qu'il n'y a personne. Enfin, il y a eu deux voitures, mais ils vont pas à Metz du tout. Voilà. Donc, comme Julien m'avait dit, si tu galères, tu peux venir dormir à la maison. Allez, on va chez Julien. Donc là, je l'attends, et on va chez lui. Bonjour monsieur. C'est pourquoi? D'accord. Yo, yo, yo. Ah les flammes. Ah ouais. Ouais, je suis là.